Bonjour à Bonjour. tous. Donc, écoutez, on va rentrer, comme vous le disiez, dans le vif du sujet. Simplement sur ce thème média innovation, marque média et innovation, c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de technologies, beaucoup de choses très compliquées. Je pense que la pédagogie est plus que jamais nécessaire dans ces temps où les choses s'accélèrent. Donc, j'espère que les différents intervenants auront bien ça à l'esprit, pour que je pense que dans la salle, les choses se passe au mieux. Donc je passe la parole tout de suite à Aurore pour Quelle parler. pression! C'est à Rendre vous. simple des choses compliquées, c'est le travail d'une régie, donc j'espère que nous allons le faire pour que tout le monde comprenne bien là où nous sommes. C'est important ce rendez-vous, donc merci au Hub de l'organiser pour les médias. Moi je suis toujours assez bluffée par la capacité d'invention des médias et particulièrement par la précédente intervention. Aujourd'hui, tous les médias se digitalisent, tous les médias innovent. Moi, ce que je vais vous présenter en 10 minutes, c'est comment nous avons réalisé le mariage de la technologie et du contenu, qu'est-ce que ça a changé pour un groupe comme Le Figaro, et puis qu'est-ce que nous, en tant que régie, nous en faisons. Et en fait, finalement, c'est assez difficile parce que nous construisons de nouvelles plateformes de marque et il faut innover ensemble. Toutes les industries ont été impactées par cette digitalisation qui est venue nous frapper dans un deuxième temps et dans un premier temps et dans un deuxième temps nous a donné une capacité d'innovation que nous ne soupçonnions pas. Alors, Mediapresse, comme d'ailleurs ça l'a été spécifié, a été percuté de plein fouet et en premier, mais ça l'a obligé à bouger, en particulier les groupes qu'il y avait dans leur giron de la presse quotidienne, parce que l'information est devenue accessible en temps réel et absolument partout. Alors, plutôt que vous faire un long discours, je vais vous montrer un film pour voir à quel point le groupe s'est profondément transformé. Le groupe Figaro a été un des premiers à le faire. Et c'était important. D'autres groupes le font maintenant. Je ne parle pas des groupes médias qui l'ont tous réalisé, mais plutôt d'autres industries. Je lisais un article sur la pharmacie qui va vivre sa nouvelle révolution. Donc nous voyons que c'est important pour tous. Alors, un petit film. Ce que nous a permis en fait le digital avant tout, la slide, merci, c'est de nous affranchir du temps et de l'espace. Et ça, c'était très important parce que ça nous a permis de conquérir de nouveaux publics, bien évidemment, des publics plus jeunes, des publics plus larges. Ça nous a permis aussi d'offrir à nos consommateurs le choix et l'accès à l'information qu'ils souhaitaient, au moment où ils le souhaitaient et à la quantité qu'ils souhaitaient.
Et ça, en fait, c'était pour nous la levée d'une formidable contrainte, parce que quand on est un groupe de presse, c'est nous qui décidons de l'information que nous donnons, mais nous ne savons pas, au fond, s'ils pourraient en consommer plus. Ben, aujourd'hui, le champ des possibles est sans limite, et la consommation de la marque est perpétuelle, dans le temps et dans l'espace. Et ce qu'il y a de magique dans le groupe Figaro, c'est qu'en fait, nous sommes sur 5 territoires avec une seule marque, qui est devenue elle-même un label. Alors, ça nous oblige à deux choses. La première chose, c'est comment est-ce que nous arbitrons entre les contenus, quel contenu sur quel canal, c'est un vrai choix. Et puis la deuxième chose, c'est comment nous produisons, puisqu'on voit que nous devons produire de plus en plus. Et c'est là que le fait d'avoir 500 journalistes est quand même très utile, puisqu'il faut produire tout type de contenu. Les trois territoires sur lesquels, et les trois piliers sur lesquels nous sommes présents, alors hop, c'est pas grave, les trois territoires sur lesquels nous sommes présents, c'est le breaking news, parce qu'aujourd'hui, le moteur de puissance du digital, c'est cette capacité à créer de l'actualité en temps réel. Et c'est ce qui nous apporte une plateforme de 15 millions de visiteurs uniques. Nous produisons 70 vidéos par jour que nous mettons en ligne. Ça, c'est très important. Le deuxième pilier du digital pour nous, c'est tout ce territoire de l'investigation. Là, ce sont les articles plus longs. C'est là que nous allons donner plus de sens, plus de décryptage, mais aussi plus d'opinion. Et puis, le troisième décryptage et troisième pilier important pour nous, c'est tout ce qui concerne l'art de vivre. Et nous avons créé, à ce titre, 7 verticales qui vont du golf à l'étudiant, en passant, bien évidemment, par le madame. Aujourd'hui, chacune de nos verticales compte plus d'un million de visiteurs uniques. Nous continuons l'accélération du digital, puisque c'est un milieu sur lequel on ne peut absolument pas s'arrêter. Alors, j'ai juste refasé la présentation. Hop. Voilà. Ça arrive en plein de fois. Voilà. Voilà. L'accélération aujourd'hui du digital, pour le Figaro, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est explorer de nouveaux territoires. Les nouveaux territoires, c'est la vidéo. Nous avons doublé notre quantité de vidéos vues par mois, nous sommes à 7 millions. L'objectif est de continuer cette croissance. C'est très important parce que de la même façon qu'on a vu qu'aujourd'hui on pouvait passer d'un support statique avec l'affichage à un support dynamique, la vidéo nous permet de passer de média à plurimédia et surtout nous permet d'accéder à l'audiovisuel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien évidemment le mobile, puisqu'aujourd'hui nous avons presque autant de pages vues sur le mobile que sur les versions digitales autres de nos segments. Et ça, c'est très important, parce que là, ce sont des nouveaux territoires de mobilité, de géolocalisation, que nous avions jusqu'alors peu, et puis beaucoup de serviciels. Et puis, le dernier point, c'est que ça nous permet d'accroître nos bassins de population. Aujourd'hui, nous touchons 27 millions de lecteurs et internautes, ça, c'est le cercle le plus large, dont 15 millions d'utilisateurs digitaux, je vais y revenir, dont 9 millions de clients que nous appelons qualifiés, sur lesquels nous avons juste une adresse, et dont 1 million de clients qui sont en contact marchand avec nous, et nous les facturons. Ça peut être au travers d'abonnements, mais ça peut être aussi au travers de produits que nous leur vendons. Donc l'enjeu pour nous, c'est comment on fait pour passer de ces 1 million de qualifiés à 15 millions de personnalités qualifiées. Donc l'enjeu de la data est effectivement pas forcément la big data, la data utile. Moi, je dirais que trop de data tue la data, on ne sait plus ce qu'on cherche. Et c'est un enjeu important pour nous. Nous allons y investir à hauteur de 5 millions cette année. Je pense qu'il faut faire des choses simples. Il faut faire des segments qualitatifs qui soient suffisamment fins, parce que quand quelqu'un vient déjà sur le site du Figaro, il y a une première segmentation qui s'opère et qui est elle-même assez forte. Donc, le 15 novembre, nous présenterons une nouvelle offre data de 6 gros segments et surtout capacité de multi-touch points. Et puis enfin, comment est-ce qu'aujourd'hui nous rentrons en contact avec nos communautés ? Alors, les communautés se créent autour de la marque Figaro. Ça devient des communautés importantes. La première surprise que nous avons eue, c'est qu'aujourd'hui, on a 65% des personnes qui sont abonnées au journal qui activent tout ce qui est contenu digital. Donc, on sait maintenant qu'on est multi-consommé. Et ça, c'est important parce que c'est difficile en presse magazine. C'est très facile en presse quotidienne. Donc, ça fait un champ des possibles important. La deuxième chose, c'est que nos publics interagissent. On a un commentaire toutes les 6 secondes sur nos plateformes digitales. Donc, on voit qu'ils sont dans cette nécessité d'entrer en contact avec la marque. 80 de nos journalistes ont des blogs. Et nous avons déjà plus de 2 millions de membres sur les réseaux sociaux. La question qui se pose est: qu'en faisons-nous et
que faisons-nous pour les faire interagir aussi entre eux et que nous ne soyons pas juste dans un rapport vertical et descendant, mais plutôt ascendant et horizontal. Alors, on voit que le groupe s'est transformé, nous sommes réellement multicanaux, nous avons une puissance de 26 millions de contacts sur une seule marque, et au fond, le métier de la régie, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et j'ai pris le parti pris de ne pas présenter d'opérations spéciales parce que toutes les opérations spéciales que nous choisissons à chaque fois sont assez réductrices au regard de ce que l'on pourrait faire, mais plutôt de faire une cartographie de ce qu'est aujourd'hui la plateforme de marque du groupe Figaro. On a en fait 13 points de contact, des points de contact qui sont bien évidemment issus de notre métier mère, la presse, le portage, les abonnés, le kiosque, mais surtout de nouveaux points de contact. Des newsletters, du mobile, des espaces freemium, des espaces gratuits sur le digital, bien évidemment beaucoup de choses aussi sur la tablette, mais aussi la capacité de créer des événements et de créer du buzz et de faire maintenant du e-commerce. Donc ces compétences sont acquises au sein du groupe. L'idée, c'est comment est-ce qu'on en fait l'architecture. C'est en fait assez compliqué de faire des choses simples, pour revenir à ce que tu disais, Olivier. C'est pour ça qu'il faut à un moment aussi que nous, on change et notre connaissance de ces points de contact et nos organisations, je vais y revenir. Mais aujourd'hui, ce que l'on peut proposer de nouveau, c'est de l'interaction, du ciblage et de la création d'actions. L'autre chose que l'on peut proposer de nouveau, c'est la capacité à créer une opération avant, pendant et après l'événement, alors qu'auparavant, nous étions assez contraints dans le temps. Quand on voit tous ces points de contact, on se dit qu'il est de notre devoir de vous aider à mieux les comprendre et à mieux savoir comment ils interagissent. Donc parce qu'on a une régie qui a une surface qui lui permet d'investir, nous lançons 5 grandes études. Des études justement sur ces publics, des études sur les transferts de marques. Au fond, est-ce que les valeurs de marque du print ne se transfèrent pas ou peu ou partie sur le digital ? Des études sur la connexion mobile versus tablette et versus presse. Et puis, les Digital Days qui ont été montés et qui sont des points de rencontre, alors modestes par rapport au public d'aujourd'hui, mais où nous accueillons 200 personnes et nous faisons 8 ateliers. Nous allons encore accélérer cette compétence globale. Les deux derniers points que je voudrais partager avec vous, et je sais que je les partage aussi avec mes confrères ainsi autour de la table, c'est qu'aujourd'hui, quand nous avons de nouvelles plateformes de marque, quand nous avons de nouveaux points de contact, on se doit aussi d'avoir de nouvelles relations et de nouveaux modèles. Notre modèle économique a changé. Aujourd'hui, 40% du REX du groupe Figaro, c'est du digital. Donc on a fait cette mue. La mue que l'on n'a pas encore tout à fait opérée, c'est comment on fait pour arriver à monétiser justement ces nouveaux points de contact. Cette phase de transformation de nos métiers et de nos relations, elle se fait bien évidemment avec les annonceurs. Plus que jamais, nous, on doit comprendre les objectifs des annonceurs qui deviennent multiples. Ils sont eux-mêmes dans des stratégies d'arbitrage parce qu'ils ont beaucoup d'offres et ils n'ont pas plus de moyens. Le deuxième point, c'est comment nous faisons pour réinventer aussi des modèles avec les agences médias qui, auparavant, quand elles voulaient avoir des stratégies plurimédias, s'adressaient à beaucoup de régies. Aujourd'hui, chaque régie est devenue elle-même plurimédia, donc il y a un vrai enjeu. Le deuxième point avec les agences médias, c'est que faisons-nous de ce traitement de la data ? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous ? Et qu'en faisons-nous au sein des campagnes ? Et toutes les agences se transforment aujourd'hui pour pouvoir justement faire ces nouvelles créations. Les agences de pub, que nous avons très largement et très souvent oubliées dans nos analyses, ce sont quand même des championnes de plateformes de marque, donc nous avons beaucoup à apprendre d'elles. Et puis, au-delà de ça, les relations entre nous, médias. Et c'est assez nouveau, je trouve que par exemple au SEPM, qui est le syndicat de la presse, plus que jamais, nous avons envie de faire des choses ensemble. Nous faisons ensemble des études sur les points de contact, nous faisons ensemble des recherches sur l'efficacité. Et plus que jamais, je crois qu'on peut ensemble, médias, faire des choses. Quand je vois ce que fait effectivement l'affichage, ça peut donner beaucoup d'idées. Quand on voit ce que fait la télévision, ça donne aussi beaucoup d'idées. Et quand on voit comment la télévision se marie en ce moment avec Facebook et Twitter, on se dit que tout est possible. Alors, tout est possible à condition de pouvoir s'organiser. J'en finirai donc par le plus important, les hommes et les femmes. Il y a plusieurs choses. Je crois qu'aujourd'hui, les régies ont besoin de s'organiser de manière claire et efficace. Ça veut dire des points d'entrée différents suivant les objectifs que l'on a. Un point d'entrée marque, un point d'entrée secteur, un point d'entrée métier. Il faut que nous, on fasse l'acquisition de nouvelles compétences.
Il y a des compétences qui ne sont pas nativement des compétences de métier de régie, encore moins de régie presse. Je pense au planning stratégique, puisque là, nous recrutons un planning strat, pour nous aider à mieux comprendre et à mieux organiser nos idées. Je pense à la data, qui est un nouveau métier pour nous, sur lequel nous recrutons beaucoup aussi en ce moment au sein du groupe et très prochainement dans la régie. Je pense au yield management. Comment est-ce qu'on fait pour faire cohabiter tous ces types de campagnes et tous ces nouveaux formats que nous sommes en train de faire? Et puis, je pense aussi au community management, parce que quand on voit qu'on a 2 millions de personnes qui nous suivent, qu'en faisons-nous? J'en ai fini. Je crois qu'aujourd'hui, les sociétés ne peuvent plus fonctionner en silo. C'était pourtant quelque chose d'assez français, au fond. Aujourd'hui, les organisations sont en réseau. Je crois beaucoup à un travail d'une équipe dirigeante qui anime l'ensemble, parce qu'il faut un mariage de compétences. Et j'aime bien dire aux managers qu'ils doivent avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Merci. Merci Aurore. Il y a quasiment tous les sujets sur la table. Donc je passe tout de suite la parole sans tarder à Éric Scherrer, qui est directeur de la prospective et de la stratégie numérique à France Télévisions, qui va faire une présentation sans images, que du son. Oui, bonjour à tous, merci. Oui, pas d'image, pas de présentation, simplement parce que nous avons un magnifique stand un petit peu derrière que vous pourrez aller visiter avec des professionnels du marketing et de la régie qui sont là pour répondre à vos questions et vous montrer nos innovations. Alors, après Aurore, oui, c'est vrai, c'est un peu après la presse, après les magazines, les journaux, c'est un peu le tour de la télé. C'est le tour de la télé d'être chamboulé, d'être transformé. Et tout est en train de changer sous nos yeux. En fait, il y a trois choses majeures, mais ce sont les trois piliers qui sont en train de changer. Ces trois piliers, ce sont les mêmes que pour la presse et la musique, par exemple, bientôt le livre ou le cinéma. On est face à trois disruptions majeures. La première sont les modes de création et de production des contenus et des œuvres. Ça change complètement, on pourra le développer si vous le souhaitez. La deuxième, c'est évidemment leur mode de diffusion. On n'est plus le seul écran qui diffuse et on doit s'adapter. Et enfin, évidemment, il y a ça, ce sont les supports. Les supports pour en profiter. La télévision est sortie du téléviseur et là aussi on doit s'adapter. Alors on a une nouvelle génération de médias vidéo qui est en train de naître sous nos yeux en 2 ans sur une plateforme interactive, immersive. Vous le voyez, les journaux deviennent des télévisions aussi. Internet redistribue les cartes dans la télévision qui est chamboulée par ces nouvelles habitudes et ces nouvelles exigences du public. Et un public qui est très heureux aujourd'hui d'imposer ces nouvelles règles. Quelles sont ces nouvelles règles? Ces règles sont en fait, ou ces exigences en fait, elles sont extrêmement simples parce qu'elles sont permises par Internet et par les nouvelles technologies. Pour résumer, c'est tout simplement je veux pouvoir choisir. Et je veux pouvoir choisir quand je veux et où je veux. C'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est ce qui fait le cœur de la disruption. Et je crois que c'est Eve Williams, l'un des fondateurs de Twitter, qui l'exprime, qui le dit le mieux. Et je vais résumer pour vous. On pense souvent qu'Internet permet de faire des nouvelles choses. Et en fait, non. En fait, le principe de base d'Internet, c'est la commodité. Les gens ne veulent pas forcément faire des choses nouvelles. Ils veulent faire ce qu'ils ont toujours fait. Mais simplement, ils veulent le faire plus facilement, plus vite et souvent moins cher. Internet, c'est juste une machine géante qui permet toutes ces choses, qui permet de donner aux gens ce qu'ils veulent. C'est juste plus rapide, c'est juste plus pratique. Et encore une fois, c'est souvent moins cher. Et ceux qui pourront régler, fine-tuner cette machine, c'est ceux qui pourront résoudre les problèmes des gens, ce seront eux qui réussiront. Alors pour les médias, ça veut dire quoi? Ça veut dire les aider les gens à communiquer, aider les gens à s'informer, à se divertir, à se cultiver. Et de manière simple, pratique, rapide, et encore une fois, le plus souvent, moins cher, les gens ne veulent plus attendre. Et je voudrais citer un acteur qui a impressionné tout le monde à Édimbourg à la fin du mois d'août, Kevin Spacey, qui disait, et qui résume bien cette nouvelle exigence, « Vous ne pouvez plus ne pas donner aux gens ce qu'ils veulent. »
Et à partir de là, nous, on doit regarder, s'adapter, réfléchir, innover, tenter, expérimenter. Ceux qui refusent ces nouvelles exigences vont être soumis à tout un tas de choses désagréables qu'ont connues d'autres secteurs, comme le piratage, par exemple. Je vais vous donner deux, trois exemples de ce qui est en train d'arriver directement au secteur de la télévision. Il y a des basculements majeurs qui sont à l'œuvre. Je pense que 2013 est l'année du basculement des usages vers une utilisation massive de la télé sur Internet. Cet été, aux États-Unis, pour la première fois, on a pu indiquer ou déceler que les Américains passaient plus de temps sur leurs tablettes, leurs ordinateurs et leurs smartphones que devant la télévision, ce qui était tout à fait nouveau. Et on n'a pas encore envisagé tous les impacts de ce type d'usage. Et en France, en tout cas, on l'a su assez récemment, le temps passé devant la télévision est en train de diminuer pour les catégories les plus jeunes, en tout cas pour les moins de 34 ans, c'est ce qui est en train de se passer au premier semestre. En même temps, et je parle du temps passé devant le téléviseur, en même temps, les gens sont moins peut-être devant le téléviseur, mais ils consomment plus de télévision, puisque les écrans prolifèrent. Aujourd'hui, dans les foyers français, on a entre 6 et 10 écrans par foyer. Et ce sont des foyers où, évidemment, l'audience désormais a pris ce contrôle. C'est le consommateur qui commande, c'est le consommateur qui choisit, c'est le consommateur qui décide du moment, du lieu. Je crois que dans quelques années, nos enfants ou nos petits-enfants nous poseront des questions bizarres du style « comment vous avez pu attendre j'allais dire 20 heures, mais pas forcément 20 heures, ou alors 19 heures ou 20 heures pour voir telle ou telle émission. » C'est par rapport à ces nouveaux usages qu'il faut se réinventer. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous, à France Télévisions ? Nous essayons de proposer de nouvelles expériences, parce que cette expérience télévision, elle est en train de changer, et surtout, on utilise les nouveaux outils qui sont à notre disposition, les outils numériques à disposition des programmes, et donc, au bout du compte, à destination du public. Quelques exemples. C'est le développement, évidemment, de Plus et de la catch-up et de la consommation en différé. Imaginez déjà qu'en Grande-Bretagne, 20% de la consommation télévision, est en catch-up. C'est le développement de la VOD, avec plusieurs milliers de programmes qui sont disponibles. C'est évidemment le développement du streaming. Le streaming avec, je vais vous donner quelques chiffres tout à l'heure, ce sont de nouvelles plateformes, des nouveaux verticaux. Le développement depuis maintenant 2 ans de France TV Info, de France TV Sport, de Culture Box, qui est une plateforme qui permet de présenter des enregistrements, voire des directs de spectacles vivants. Et puis cette année, en tout cas en 2014, le lancement d'une plateforme jeunesse. Ce sont aussi des innovations technologiques, vous avez pu le voir durant l'été, avec par exemple des installations ou des dispositifs de multicaméra sur le Tour de France ou le partage de vidéos qui est désormais possible sur des grands événements. Alors moi j'ai le plaisir avec ça de vous annoncer 3 records qu'on a pu battre le mois dernier pour vous montrer simplement que ces usages sont en train d'accélérer et de progresser à toute vitesse. Notre premier record, c'est le nombre de vidéos vues par mois, 62 millions de vidéos vues par mois au mois de septembre pour France Télévisions. C'est déjà beaucoup et c'est encore peu si on regarde la BBC par exemple, qui est à près de 300 millions. 300 millions, c'est l'ensemble, c'est toutes les chaînes de télévision françaises réunies. Voilà le type d'usage qui est en train de se développer. Ce sont des performances en ligne qui sont dues au succès des séries et des fictions, ce que vous connaissez comme Plus belle la vie ou des émissions pour la jeunesse. Deuxième record, c'est le nombre de visites qu'on a eues pour l'offre d'information sur Internet et mobile. Un record de 21,5 millions de visites pour un seul mois sur notre offre d'information en ligne. Offre d'information en ligne qui aujourd'hui compte environ 5 millions de visiteurs uniques. Et puis, un autre record, le troisième, c'est 14 millions de visites pour les applis et sites mobiles de France Télé. La mobilité est en train d'exploser. Dans la consommation, c'est une évidence pour tout le monde.
mais ce n'était pas forcément évident pour les gens de la télévision d'imaginer que leur contenu allait être vu en vidéo, en image sur un smartphone ou une tablette. Alors bien sûr, on a d'autres initiatives fortes, je les passe en revue très rapidement parce que ça vous indique un peu les directions sur lesquelles on travaille. Aurore en a parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle la social TV, l'accompagnement des programmes par les réseaux sociaux, par Facebook et Twitter. Nous travaillons évidemment avec ces entreprises pour donner des outils à nos programmes pour avoir une audience tout simplement plus engagée, puisqu'une audience plus engagée est évidemment vaut plus cher qu'une audience passive et plus intéressante à plein des égards. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'enrichir les contenus. Enrichir des contenus dans ce qu'on appelle la télévision augmentée, c'est-à-dire la possibilité via un deuxième écran, un écran compagnon, une tablette, un smartphone, d'offrir des contenus en plus par rapport à ceux que vous voyez sur le téléviseur. Et puis c'est inventer des nouvelles formes narratives. Parce qu'on a plusieurs écrans et qu'il va être possible aujourd'hui, demain, et on le fait déjà puisqu'on a déjà 30 web créations qui sont en ligne, on a 20 web séries qui ont été mises également en ligne, de proposer des nouvelles écritures entre le smartphone, entre les tablettes, entre le web et la télévision. Enfin, c'est surtout donner au public des outils. Donner au public des outils pour qu'ils puissent être engagés, pour qu'ils puissent co-créer. Et demain, je pense, en tout cas j'en suis persuadé, de pouvoir coproduire avec nous. Les atouts, on a de la chance à la télévision parce que les atouts sont importants. Les atouts, c'est évidemment la vidéo. Jamais le public n'a consommé autant d'images qu'aujourd'hui et on sait que l'image, la vidéo, va être le moteur de croissance d'Internet. On prévoit à peu près que plus de 70% de l'utilisation de la bande passante d'ici 3 ans va être utilisée par la vidéo. Le web est en train de basculer. Le web est en train de basculer vers un web audiovisuel. Et puis on a les grands directs qui sont fédérateurs d'audience autour d'événements sportifs, autour d'événements culturels, artistiques, parfois d'informations. Et puis face aux algorithmes, il y a des professionnels, des hommes, des femmes, qui choisissent, qui éditent, qui trient, qui vérifient pour les journalistes, pour l'info, qui proposent, qui programment. Alors notre défi à nous, c'est tout simplement de passer d'un mass média, d'un média de masse qui arrose de manière indifférenciée tout le monde avec la lampe à incendie, à un média de précision qui va être beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus proche des gens, et c'est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. Merci. Merci Eric, et sans tarder, je passe la parole à Philippe Schmitt, qui est nouvellement directeur exécutif de Prisma Publicité. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. J'ai envie de partager avec vous. J'ai envie de partager avec vous quelques insights en fait qui ont permis à Prisma Media, qui est un très beau moteur, de vraiment prendre ce virage dont Vincent parlait, qui était évidemment structurant et stratégique. Et ces insights, il fallait quelques clés pour arriver effectivement à la digitalisation d'un groupe, parce qu'il a fallu changer de carburant pour aller plus vite, pour mettre le turbo. Et c'était très important. Donc, pour faire effectivement cette stratégie, que les contenus puissent aller sur n'importe quel device, n'importe quel canal, il a fallu 3 choses. La première, la plus compliquée, c'est vraiment transformer une entreprise. Transformer une entreprise, ça veut dire revoir tous les flux de travail, impliquer tous les départements, et surtout prendre en compte le cœur du moteur, qui sont les journalistes. Donc, sur 1000 salariés, on a 2/3 journalistes qui sont effectivement là pour bien transformer les entreprises. Et on a fallu faire ce travail d'abord sur le côté éditorial. Deuxième clé, deuxième axe de travail, était faire venir des vrais talents, des nouveaux talents, du digital, des incubateurs. Et à cette occasion, je salue Frédéric Darotti, qui est notre directeur de Prisma Média Digital, qui est venu il y a 3 ans vraiment accélérer cette transformation avec les talents qu'il a fait venir et qui nous ont permis de prendre ce virage beaucoup plus vite que d'autres groupes. Troisième exemple, troisième clé, ce qui est très important, c'est effectivement que l'éditorial soit au cœur de cette stratégie. Parce qu'aujourd'hui, on parlait souvent d'Atawad, anytime, any device, anywhere, mais en fait, ce n'est pas any. C'est d'avoir le bon message publicitaire, dans le bon contexte rédactionnel, sur le bon device, au bon moment, adressé à la bonne personne, tout ça idéalement recommandé sur les réseaux sociaux, et en plus, mesurable.
Et surtout, si vous arrivez à faire ça, le consommateur, il est reconnaissant. Et surtout pour les marques issues de la presse print, il y a un vrai avantage, parce que cette énorme crédibilité, la crédibilité, la confiance qu'on a su créer depuis des années, elle se transforme aussi sur le digital. Et c'est grâce à ça que les points de contact vont devenir les points de confiance, dont peuvent profiter effectivement nos partenaires. On parle du touch point au trust point. Et ça, c'est très important parce que vous pouvez profiter de cette énorme crédibilité, cette confiance, pour transformer et pour profiter de ces valeurs. Après, la puissance, c'est important. C'est très important d'ailleurs parce que grâce à cette digitalisation, nos journalistes, ils ont embrassé le changement parce qu'aujourd'hui, on peut toucher 35 millions de Français, 2/3 de la population adulte en France. Et surtout, la partie digitale, aujourd'hui, avec 14 millions d'internautes, est très importante et surtout où on voit vraiment le potentiel, c'est la partie bi-exposée. C'est là où il y a le vrai potentiel pour nous. Et il y a un record qu'on a battu ce mois, au mois de septembre, qui sont les vidéos, l'audiovisuel. On a atteint 23 millions de vidéos vues sur un mois. Et pour vous montrer effectivement cette accélération, septembre 2012, c'était 9 millions et on vise encore le double l'année prochaine. Alors, parfois, l'interne et la croissance organique et faire venir des talents, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Donc parfois, pour vraiment accélérer, il vous faut des savoir-faire externes, des acquisitions et aussi des entités en interne qui doivent apporter un savoir-faire qui se trouve rarement sur le marché. Donc cette capacité d'éditorialiser les messages publicitaires, on l'incarne avec Prisma Creative Media, qui est notre agence capable de créer des concepts éditoriaux uniques sur mesure. On a, pour nommer quelques clients, le groupe Canal+, des marques Montrelux Suisse Parmigiani, en passant par la CAF jusqu'au magazine de Procter. Et on est là pour vous aider effectivement à éditorialiser votre discours, parce que c'est ça ce qui fera la différence pour les vrais médias dans l'avenir. Deuxième exemple, c'est Pécan Performance, donc une entreprise dans laquelle on a investi il y a quelques ans. On a pris 100% il y a un an, avec cette capacité effectivement d'adresser par le emailing une performance. Et surtout là encore, l'avantage des groupes avec des marques issues de la presse print, vous avez des taux d'ouverture de mail autour de 10-20%, donc 10 fois plus que mail d'une marque lambda considérée souvent comme du spam. Et le coton sur le blog féminin, leader en France effectivement sur cette communauté pour activer les blogueuses ou façon commerciale ou façon éditoriale, parce qu'on les invite aussi dans les rédactions pour coproduire les sujets. Sur la vidéo, on en parlait, on a acquis aussi une start-up effectivement qui nous a aidé à accélérer ce mouvement. Sur l'e-commerce, Prima Créa, une site C2C, c'est-à-dire les jeunes créatrices vendent aux particuliers en direct, ce qui nous permet effectivement d'animer la communauté de Prima, et ça correspond aux valeurs de la marque. Mob Value, un très bel investissement pour le groupe, parce qu'effectivement c'est la petite agence mobile qui monte, avec un savoir-faire très très fort sur l'opération spéciale, sur la créativité, parce qu'on est tous d'accord que le mobile aujourd'hui, il ne faut pas juste décliner vos campagnes affichage, presse, print et télé sur le mobile, mais il faut vraiment adapter le petit écran qui est dans votre poche, donc c'est un rapport très intime, il faut le prendre en compte. Et l'exemple pour moi le plus parlant, la transformation, c'est que la DSI de Prisma Presse est devenue Prisma Labs de Prisma Media, c'est-à-dire notre centre expert sur la veille technologique qui travaille étroitement avec tous les groupes de technologie, que ce soit Apple, on est leader en France sur les tablettes le vrai e-magazine de l'avenir avec Aquafadas. Et ça, c'est très important de veiller à la technologie. Juste pour finir, un exemple pour que ça soit plus concret, parce que le digital, il se déploie bien quand il prend en compte les usages. Parce qu'on parle souvent maintenant de brand utility, donc vraiment le serviciel d'une marque. Et notamment le digital propose cette possibilité. Une marque donc, qui est basée sur apporter effectivement le guidage sur l'ensemble des écrans, du plus grand ciné au plus petit, l'écran du smartphone. Nous, on a gagné plusieurs prix avec cette application numéro 1 sur le mobile qui nous permet effectivement de voir les programmes du soir, évidemment en temps réel et quand vous voulez dans la journée, mais surtout quand vous ne passez pas à la maison, vous pouvez l'enregistrer en distance. Donc très très utile pour faciliter la vie, ce qui nous a permis effectivement que cette marque a pris un virage sur le digital assez époustouflante, dont on est assez fier. Voilà, j'ai fini, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.
Et dernier intervenant, Éric Maribion, directeur de la division Advertising et Online de Microsoft France. C'est à vous. Bonjour à tous. J'ai trois slides, donc je vais essayer d'être très court, mais je voulais surtout vous parler de choses que je n'aurais pas pu vous parler il y a 6 mois ou il y a 1 an. On aurait pu très bien parler de l'offre publicitaire de Microsoft aujourd'hui en France, un peu comme on l'a présenté il y a quelques mois, voilà, 70% de reach sur Internet, un quart des mobinautes, 3,5 millions sur Xbox. Et en fait, ce qui a changé dans la stratégie, on l'a vu au début dans l'introduction, sur les milliards de dollars qui sont investis en R&D, et comment concrètement, en France, on mettra un peu la France dans l'univers européen pour le moment, comment en France ça se concrétise et qu'est-ce que ça change pour nous, marques médias. C'est ce slide aujourd'hui qui était pas possible de vous présenter il y a ne serait-ce que moins d'un an, vraiment, puisque le lancement de Windows 8 a été fait sur la fin de l'année 2012, Windows Phone 8 de la même façon. Pour aujourd'hui revenir à ce qui fait notre audience, on en a beaucoup parlé sur la télé, sur la presse, c'est l'usage. Et donc on l'a vu aussi en introduction, remettre le consommateur, c'est grâce à l'usage, grâce à finalement nous, qu'on a cette audience. Et qu'est-ce que aujourd'hui sur la partie digitale cherchent les utilisateurs? C'est aucun compromis. Aucun compromis entre mon univers de travail, mon univers de loisirs. Aucun compromis entre les écrans. Peu importe la taille de l'écran, je veux retrouver l'ensemble de mon univers sur tous les écrans, avec bien évidemment l'écran le plus important dans la maison. On a parlé tout à l'heure, c'était Eric qui en parlait sur les 6 écrans dans les foyers en France. Et l'écran le plus grand, c'est une palissade, mais c'est la télé. Et donc effectivement, je veux aussi retrouver, que ce soit sur mon mobile, sur ma tablette, sur mon PC et sur ma télé, l'ensemble de cet univers. Enfin, et on le voit aussi aujourd'hui, et c'est la très grande tendance, c'est finalement, on parlait de PC, maintenant c'est, est-ce que c'est une tablette? Est-ce que c'est un PC? Est-ce que c'est les deux? Et on voit que les offres sur cette rentrée 2013, donc qui vient de passer dans nos magasins, que ce soit Fnac, Darty, Boulanger, bien sûr, et dans le e-commerce, c'est ce qu'on appelle les PC hybrides. Et donc aujourd'hui, voilà ce que ça donne en termes de chiffres. Donc ce sont des chiffres bien plus modestes que de dire voilà 30 millions chaque mois de visiteurs uniques, 11 millions tous les jours en offres exclusives sur MSN, Skype, Outlook.com, etc. En revanche, ce sont des chiffres qui n'existaient pas il y a 6 mois. Et quand on parle d'innovation, c'est parce qu'on faisait il y a 2 ans en mieux, un peu différent, c'est vraiment ce qui, par rapport à nos utilisateurs qui font notre audience aujourd'hui, ce qu'ils n'utilisaient pas il y a quelques mois. Et donc effectivement, 11% aujourd'hui, et ce sont des chiffres français, c'est pour ça que j'insiste sur cette... On viendra sur ce qu'on appelle le French paradoxe, et Dieu sait que vraiment, j'explique à chaque fois à mes confrères européens pourquoi la France est aussi en retard sur la partie média. Parce qu'il faut se le dire, on a 5 ans de retard sur l'Angleterre. Il ne s'agit pas de s'auto-flageller, mais il s'agit juste de manière rationnelle, comme on est rationnel, nous les Français, c'est de voir les chiffres. On a sorti avec le SRI, l'UDECAM, l'observatoire, le dernier observatoire sur le premier semestre 2013, où avec, grâce à PwC, en fait, on peut comparer pomme à pomme avec les autres pays, où effectivement, 20% des dépenses médias aujourd'hui sont dans le digital. 20%. C'est 35% en Angleterre, c'est 30% en Allemagne. On a pris 5 ans d'écart, on a toujours été un petit peu en retard. Là, depuis plusieurs années, ça s'est creusé. Donc, dans les faits, il faut juste le dire, on est à la journée de l'innovation. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui et de voir tous ces discours, toute cette qualité de contenu. Mais à se demander si finalement, c'est pas un peu tel Molière, Tartuffe, acte 3, scène 4, caché ce sein que je ne saurais voir. Tout le monde dit qu'il veut faire de l'innovation. Regardons les chiffres. Concrètement, ce n'est pas tout à fait le cas. Et malheureusement, j'en suis en plus assez triste depuis le temps. Je pense qu'on cumule chacun 10, 15, 20 ans pour les plus anciens dans l'univers digital, que ce soit e-commerce, médias. On parlait tout à l'heure de l'interface utilisateur. Le grand espoir aujourd'hui, c'est qu'on puisse
dans ces temps de changement où, alors pour le coup, tout le monde est ultra lucide, donc ça, c'est vraiment bien, on n'est plus à se demander pourquoi du comment, de revenir à nos utilisateurs et de voir comment ils évoluent. Donc si on voit si on pousse sur quelles sont les grandes tendances, et donc là, on ne s'est pas concerté sur l'introduction, mais effectivement, le tactile, le fait de effectivement maintenant toucher tous les écrans, et je reviens à l'écran le plus grand de la maison, à savoir la télé. Là, il ne s'agit plus de toucher, puisqu'en fait, il est généralement assez loin. Il s'agit juste de lui parler, il s'agit juste de lui faire signe de la main, et on revient sur effectivement notre façon de communiquer. Aujourd'hui, je vous parle avec ma voix, avec mes mains, et pas avec un clavier ou même avec une souris. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est vrai pour plus de 3,5 millions de Français. Deuxième, l'appification. Là aussi, on a parlé tout à l'heure, alors le mot « happy », effectivement. Et on le voit aujourd'hui, et ça, c'est vraiment bien par rapport à l'univers français, c'est que 3 groupes médias sur 4 aujourd'hui en France sont dans le market store de Microsoft. Et donc, vous avez quelques exemples. Mais également les marques. Et là, on va faire le petit jeu de mots sur marque média, média marque. Vous avez une application Dior ici. C'est juste une capture d'écran du Windows Store hier. Et puis le design. Alors là, le design, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Là, on a pu revenir sur le flat design avec un autre opérateur qui, comme nous, est dans l'univers des services et des devices. Désolé pour le mot anglais, mais en tout cas pour les terminaux, donc les téléphones, les tablettes, les PC et pas encore la télé. Ce flat design, donc dans l'univers Windows 8, en fait, il est, depuis le début, il est comme ça. Ce sont ces vignettes animées sur lesquelles maintenant on peut avoir quelque chose de très épuré, ce que recherche encore l'utilisateur. Enfin, sur la partie tactile, c'est aussi les tendances du marché. 35%, là c'est la France, des PC sur la fin de l'année seront tactiles, seront hybrides. Je vais aller vite parce qu'on a peu de temps. C'est également, on voit que le profil des utilisateurs aujourd'hui, c'est dès qu'ils utilisent cette nouvelle interface, tout de suite ils y vont. Donc en fait, on n'a pas besoin de leur expliquer. Ce n'est pas une question que ça soit compliqué ou pas. Quand c'est bien fait, tout de suite ils vont consommer du contenu. Ils vont construire dessus. Construire étant effectivement le partager, le commenter. Et puis c'est effectivement voir la publicité comme une forme d'art, et donc forcément ça a un impact sur les marques. Et là je reviens aussi sur ce qui était un peu devenu le web ces derniers temps, cette espèce d'énorme sapin de Noël, où finalement on avait des liens dans tous les sens, qui d'ailleurs au détriment de l'usage et du contenu, mais même au détriment des publicités internes, et de revenir sur comment s'insérer. Donc on parle beaucoup, et ça fait partie avec... Big data, smart data, mais d'un autre buzzword qui est les publicités natives, le native advertising, c'est effectivement d'être totalement intégré à la navigation, au design, au touch, etc. Je vais aller très vite. On s'applique bien évidemment à nos propres marques, ce qu'on propose à nos partenaires, parce que aussi... on est à la fois partenaire et concurrent, et donc sur Bing Apps, Bing Actualité, donc les applications qui sont natives dans Windows 8, on a effectivement, déjà on ne le fait pas tout seul, on le fait avec nos partenaires, ça c'est une grande différence. Après il y a plusieurs business models, chez Microsoft on a toujours travaillé avec un écosystème. Vous voulez aller vite, partez tout seul, vous voulez aller loin, allez-y grouper. Donc ça c'est un point de philosophie. Et donc sur les Bing Apps, de pouvoir les avoir sur l'ensemble des écrans. Vous avez ici une tablette, un PC, un smartphone, et donc effectivement d'avoir le même contenu. Et vous voyez que ce n'est pas une maquette, c'est des captures d'écran faites il y a quelques jours, si ce n'est 24 heures. Et donc c'est une réalité. Et petit commentaire, parce qu'on discutait avec Aurore sur, effectivement, lors de la présentation de Philippe, sur... l'univers, notre écosystème, les portes sont fermées, on est entre nous, donc disons-nous les choses. Aujourd'hui, ni tout l'univers Windows 8, ni l'univers Xbox n'est audité par Médiamétrie, et donc
et juste invisible des médias planning. Donc on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est comment finalement toutes ces innovations, c'est pareil aussi vous pour une partie de vos activités, comment finalement les monétiser. On en parlait tout à l'heure, c'est finalement, c'est pas une question d'audience. On voit que l'audience, si on prend le mobile aujourd'hui, elle est juste phénoménale. C'est une question de monétisation, et c'est une monétisation française. J'insiste dessus parce que c'est pas du tout les mêmes discussions que j'ai avec mes collègues anglais ou allemands. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On part pour 5 à 7 minutes de débat. Pour rebondir juste sur ce que vous disiez, Éric Paris, à l'instant, sur le retard français, est-ce que... Bon, je veux dire, c'est pas un point qui se discute, puisque c'est factuel. Comment vous l'expliquez, vous qui êtes au contact des marques, quel est le problème, où c'est que ça... Qu'est-ce qui s'est passé? On n'est pas plus bête que les autres? Alors non, absolument. C'est-à-dire qu'on n'est pas... On a les mêmes formats, on a les mêmes études, on a les mêmes... et après, dans un écosystème, parce qu'on est plusieurs joueurs, il y a les instituts d'études, il y a les agences, il y a les annonceurs, et il y a les éditeurs. Et donc, je pense que... Je n'ai pas la réponse, je ne vais pas vous la donner maintenant. Je pense qu'effectivement, la façon dont on a... Déjà, il faut être clair sur le constat. Donc là, c'est pour ça que je parlais de Tartuffe. Oui. Lors de la journée, le 6 septembre, donc il y a un peu plus d'un mois, la journée de rentrée de l'UDECAM, il y avait 2-3 choses qui étaient bien dites, notamment ailleurs, c'est test and learn, chez nous, c'est wait and see. Je pense que déjà, ça résume beaucoup l'attitude qu'on peut avoir en France. C'est-à-dire qu'il y a un défaut de discussion entre les différentes parties prenantes, par exemple? Il n'y a pas de structure? Non, c'est juste que l'attitude globale. Parce que finalement, on est tous victimes ensemble et on a tous notre part de responsabilité. C'est effectivement, on attend que ça se développe, on attend que l'innovation elle atteigne 50% de pénétration sur un univers, etc. Que nos deux concurrents, nos acteurs à côté fassent la même chose pour y aller. Ce qui n'est absolument pas l'attitude des autres acteurs. Reprenons juste, ce matin j'ai trouvé l'introduction fantastique, très bien résumée. On parlait d'expérience client. Je pense Expedia, que j'ai pas mal connu au moment de lancement il y a 10 ans, c'est là où ça ne nous rajeunit pas. Ça n'existait pas, il n'y avait pas de livre pour dire ce qu'il fallait faire sur l'ergonomie, sur les tests d'ergonomie, etc., qui maintenant nous paraissent une évidence. C'est la même chose pour les autres. Je pense qu'il y a aussi une capacité à prendre des risques qui n'est peut-être pas tout à fait dans la mentalité française, se dire j'essaye et puis peut-être que je me tromperai et je ferai mieux la prochaine fois. C'est vrai aussi de la part des annonceurs qui nous demandent très souvent des choses qui n'ont jamais été faites ailleurs. Et en fait, quand on arrive avec des idées, pour le coup, qui bousculent un peu, il y a une certaine marche arrière et finalement, on vend 20% de l'idée proposée. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre de risques si vous n'avez pas des preuves de l'efficacité prévue de votre campagne. Oui, ça on nous pas. Ramène assez vite à l'efficacité, le ROI, combien. Et c'est très important, mais souvent, on ne sait pas combien avant. Et c'est parce qu'on essaie quelque chose de nouveau. C'est ce que tu disais, toi, dans les expériences que vous êtes avec des nouveaux canaux. On voit à quel point ça prend et quelquefois, très au-delà de ce qu'on avait estimé. Et c'est heureux parce que c'est ça aussi l'innovation. Donc il y a ça, puis après il y a aussi les différents acteurs intervenants, les agences de pub qui conçoivent des campagnes quand même très par canal et pas en plateforme de marque, et les agences médias qui sont en train de se structurer pour le faire sous la pression des annonceurs et aussi parce qu'elles-mêmes se rendent compte qu'elles pourraient peut-être proposer des choses différentes et donc créatrices de valeur parce que l'innovation crée de la valeur et c'est ça qui est important pour nous. Je voudrais un peu venir à l'aide des Français parce que je ne le suis pas. Oui. Et les 5 ans de retard, oui et non, parce que je pense que le French paradox, il est très parlant parce que le latin rationnel, qui est le français, effectivement, comme dit Aurore, il est un peu en attente au début, mais il a quand même une forte capacité d'embrasser l'innovation. La création fait partie, je dirais presque, de l'ADN française, que ce soit le terroir, que ce soit la technologie, la voiture et les médias, la création quand même, n'importe, enfin les plus grands réseaux publicitaires du monde, il y a quand même pas mal de Français dedans, et même les carrières au Silicon Valley, il y a beaucoup de Français, une fois effectivement, ils ont à la fois le rationnel latin, ils aiment l'innovation, la création, et aussi la technologie. Donc je pense qu'au début, peut-être ils sont un peu plus réticents, parce qu'ils sont plus en attente, parce qu'effectivement le test and learn est aussi la faculté de se gourer tout simplement et de corriger, de refaire, peut-être pas très français, mais une fois ils ont accepté, ils voient l'intérêt derrière, ça va peut aller très très vite et surtout avec une très très grande créativité. Et on le voit au sein de l'écosystème des médias, on entend souvent par nos partenaires, agences ou annonceurs
qui nous demande du « never done before ». C'est de plus en plus difficile parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Mais encore une fois, moi je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin et les gens sont prêts pour aller plus loin. Eric, chez France Télévisions, on a le droit de se tromper. On prend des risques, on apprend. Dans votre partie, bien sûr. Oui, dans ma partie. Ah, je ne pouvais, pouvais pas rater ça quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on peut, mais c'est la base du digital, c'est la base du numérique, c'est d'essayer, d'expérimenter. Pardon de vous couper la parole. Les entreprises sont organisées pour ça, les gens pensent à ça ou finalement c'est quand même une contrainte énorme? Petit à petit, on le sait tous ici dans la salle autour de la table, que le problème numéro un, c'est un problème culturel dans les entreprises. Du haut en bas de l'entreprise, du reporter dans les médias jusqu'au sommet, jusqu'au comité de direction ou au PDG. Il y a de l'appréhension toujours, il y a toujours un peu de déni, il y a toujours un peu ça va continuer comme avant ou ça tiendra bien jusqu'à ma retraite. Non, ben c'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Je pense que les choses accélèrent de plus en plus. J'entendais récemment le patron de Google News qui est très provoquant, mais je crois qu'il a raison. Je crois qu'on vit dans l'illusion qu'on va passer d'une période une période stable à une autre période stable et qu'on est donc dans une transition et on attend tous l'autre période stable. Et ce qu'il expliquait assez bien, c'est qu'il n'y aura pas d'autres périodes stables et que c'est tout le temps en train de bouger, c'est tout le temps en train de changer. Et c'est à ça qu'il faut s'adapter. Et bon, évidemment, c'est difficile partout et dans les entreprises de médias aussi. Mais bon, on y travaille tous, quoi. Et si on sort de la techno pure, parce que bon, moi, je ne suis pas technicien, comment on fait pour que dans les entreprises, les gens qui reçoivent cette contrainte qu'est l'innovation s'adaptent? Comment vous faites pour les... Il y a des sujets de formation qui sont très lourds, j'imagine. Oui, il y a des gros... Enfin, pardon, je vous donne la parole. Il y a des gros sujets de formation chez nous. On fait de la formation aux outils de base, on fait de la formation sur les réseaux sociaux, on a ce qu'on appelle une université, on fait des tours en région pour essayer de partager avec les autres parties de l'entreprise. Ce qu'on essaye surtout, c'est d'aider les gens qui travaillent sur les programmes, de leur fournir des boîtes à outils numériques, digitales, et de leur montrer que ça va, en fait, ça donne un coup de fouet à des programmes qui peut-être peuvent être plus performants. Philippe, vous vouliez dire quelque chose? Oui. Je pense que l'innovation, c'est pas une contrainte, au contraire, c'est une possibilité de se libérer en fait l'esprit, et surtout dans une maison où il y a beaucoup de journalistes. L'innovation était toujours perçue comme opportunité. Après, il faut l'encourager. Donc, beaucoup de formations, comme tu le dis. Donc, on a doublé chez Prisma, par exemple, le budget de formation en 2013. Vraiment doublé. Après, c'est aussi dans l'organisation. C'est-à-dire, il faut mettre en place des systèmes qui favorisent la créativité. Concrètement, chez Prisma Pub, on a créé, par exemple, un pôle sur mesure. C'est-à-dire, on allie les opérations spéciales, la partie Prisma Creative Media dont je parlais, donc créateur de concepts éditoriaux, et les licences, parce que qu'est-ce que c'est une licence? C'est finalement un coup de cœur de la rédaction, un coup de cœur de la marque, une caution de marque, qui peut aller jusqu'à leurs médias avec des événements, ce qu'on fait à Cannes par exemple. Et du coup, avec ces trois entités, on a créé un hub créatif, où effectivement on peut inviter des gens qui nous inspirent d'externes, des gens qui n'ont rien à voir avec la pub, par exemple quelqu'un de la FAB, qui va nous mettre au courant des dernières innovations qui se font au niveau du papier et de l'encre, et aussi des partenaires externes, comme par exemple la mesure du buzz sur les réseaux sociaux. On a quelques contacts. D'accord. Aurore, est-ce que les choses sont aussi fluides au Figaro? On essaye. Enfin, en tout cas, on y travaille beaucoup en ce moment avec l'ensemble de l'équipe pour le faire. Je crois qu'il faut mettre les gens dans un rapport de confiance, déjà, parce que la conduite du changement, ça peut être effrayant. Tout le monde n'a pas la même envie de changement. Enfin, heureusement, il y a des gens qui sont comme ça, mais il y en a plein qui ne le sont pas. Donc sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour certains. Donc je pense qu'il faut donner du sens à ce qu'on dit. Il faut leur dire, voilà, on va là, c'est pour ça qu'on fait tout ça. On va y aller avec vous. Oui, on va vous former. Oui, on va vous aider. On va avoir des managers qui vont vous entraîner, vous entraider. Et ça, c'est un changement d'attitude pour certains. Parce que moi, je crois beaucoup au réseau. Et il faut que les gens travaillent ensemble. Et plus dans « j'ai un travail, j'ai un job, j'ai une mission, je la fais, et puis celui d'à côté fait son truc, et tout ça n'est pas intercommunicant. » Aujourd'hui, ce système-là est mort. Éric-Marie. Alors,
Tout à fait d'accord. Et je vais vous parler un peu de nous en interne. Sur, effectivement, ouais. On nous voit comme une société. On est dans la technologie. Absolument. Mais on est totalement en train de changer chez Microsoft. Donc, ça paraît rien, mais c'est une transformation qui est exactement celle qu'on a avec nos clients et qu'on voit s'opérer. Donc, on passe d'une société de logiciels à une société devices et services. Et donc, c'est uniquement avec les équipes qu'on peut le faire. Et d'ailleurs, au niveau local, donc on se sort, chacun fait des initiatives. Et c'est avec les managers, parce qu'effectivement, la peur est un frein. Et c'est vrai qu'on est condamné à évoluer, mais c'est la logique et c'est tant mieux, pour changer et devenir de plus en plus agile. La musique nous signale que nous avons terminé. Voilà, malheureusement. Merci, merci à tous.